Bonjour, on se retrouve pour une vidéo tuto comment dessiner Mitroglou en version caricature, on va dire ça comme ça. Donc, on va procéder par le début bien sûr, on va commencer plutôt, excusez-moi. Donc, on va commencer par ses épaules, qui sont qu'on va faire deux pics, et pareil de l'autre côté, c'est mon style, donc... Si vous n'aimez pas, c'est parce que c'est. Si vous n'aimez pas, voilà, c'est pas comme ça. Bon, maintenant vous allez faire son cou. Après, on va faire sa barbe. Quelque chose qui ressemblerait à peu près à ça. Tac. Voilà. Bon, maintenant, nous allons continuer avec... Ici, en fait, vous allez gommer de là à là. Voilà, et nous allons faire quelque chose comme ça. On continue par la bouche, donc c'est simple, tac, vous faites ça, et vous faites ça. On rajoute une expression, voilà, il est content, il a enfin marqué, donc il sourit après. On continue avec la moustache. Bon là ça ressemble pas beaucoup mais vous allez voir. Là, alors vous allez faire quelque chose comme ça. Tac. Et tac. Donc ça c'est son nez. Excusez-moi, ça ce n'est pas très. Voilà. Voilà. Puis nous allons continuer. Ici, on va faire ça, ça, ça. Après, nous allons continuer ici avec son oreille droite, à sa droite. Donc, voilà. Alors là, vous ne vous occupez pas pour l'instant. On va faire le haut de son crâne, quelque chose comme ça. Qui sera surmonté d'une crête banane, je ne sais pas trop quoi, à coupe à Mitroglou quoi. Puis ici, nous allons faire l'oreille gauche de Mitroglou, comme ceci. Nous allons faire. Voilà, puis la calvitie de Mitroglou, la banane, c'est plus comme ça en fait, quand j'y repense, on va rajouter ça. Alors ses yeux, il y a des yeux très... Excusez-moi, je n'ai pas cadré ici, je n'ai pas fait attention. Bon, ses yeux, voilà, on enchaîne avec. Tac, avec ses sourcils. Après, il nous reste plus grand chose à faire. Juste à faire les contours noirs que je ne ferai pas. Que j'ai perdu mon crayon noir et que ce n'est pas très, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Donc Mitroglou, on va juste lui faire un peu le logo
tac, ça, bon, vous voyez très bien quel logo c'est. Et le logo du plus beau club du monde. Faites vraiment la va-vite. Voilà. Donc, notre glou nous donne quelque chose comme ça. Bon, la dernière fois que j'en ai fait un, il ressemblait plutôt à ça. Je trouve que celui-ci est mieux réussi que celui-ci. Et bon,